Oui, the yes means the no. Again the no. Nous demandons de vous en. Il est le moment, mon pote Monsieur Hollande. Je vous demande de vous arrêter. Monsieur Hollande. Be proud of you. Need to know when to know. Démocratie, carotte, cap, chou-fleur. Do what we want to do. Démocratie, want to do. Carotte, be you. C'est pas un meeting, hein. Ouais, malgré les apparences. Bonsoir, merci beaucoup d'être là, merci. Faut savoir que il y a 2 mois, quand j'ai proposé au producteur de faire ce spectacle, d'écrire un spectacle en 2 mois pour les présidentielles, il m'a dit « t'es sûr ?» J'ai dit « ouais, je suis sûr ». Et puis le lendemain, quand il m'a dit qu'il avait réservé le gymnase 700 places, je lui ai dit « t'es sûr ?» Je peux vous le dire maintenant qu'il peut plus rien faire. Non, j'étais pas sûr. Voilà. Je sais même pas comment ça va se passer ce soir. Ça se trouve, je peux bider. Je peux oublier mon texte. Il peut y avoir le lustre qui tombe. On sait jamais. Hein. Sachez que si le lustre tombe, pas besoin de sortir les portables pour filmer. C'est déjà filmé. Ok, hein. On poste sur YouTube ce soir. On va faire un buzz, les gars. Ouais. C'est filmé ce soir, ouais, en live sur Facebook. Il y a peut-être des gens dans le monde qui nous regardent. Il y a peut-être Kim Jong-un qui nous regarde. Voilà, salut Kiki. Hein. Voilà. J'ai adoré ton défilé avec les ogives nucléaires. Voilà, like ma page surtout, hein. N'hésite pas. Voilà. Il y en a qui regardent s'il y a Kiki. Non, il n'y a pas Kiki. Il n'est pas venu en personne. Non, ouais, voilà. En tout cas, je suis très content d'être là. Je suis très content de jouer dans un théâtre 1820 comme ça. C'est hyper agréable quand même. 1820, t'imagines ? Il y a Napoléon, il s'est assis là où t'étais, tu vois. Il aurait déclaré : putain, ça fait mal au cou. Là, vous avez aussi la loge royale ici, voilà. Vous êtes les nobles de la soirée. Hein, voilà. S'il y avait François Hollande, il serait là. Voilà. Salut, bah tu feras François Hollande du coup, hein, ce soir. Voilà, tu peux saluer ton peuple si tu veux, voilà. Ouais. Dis-lui coucou quand même, attendez. Voilà, ça fait coucou quand même. Ça va François Hollande, c'est bientôt les vacances pour toi là. Non. Je me demande ce qu'il fait François Hollande à l'Élysée, il doit faire des goûters, font des jeux de société, tu vois. Moi franchement, si j'étais François Hollande maintenant, là je ferais un gros pot de départ dans tout l'Élysée et je range rien. Pour le prochain, voilà. Ouais. Au début, on a hésité à organiser ce spectacle comme un meeting, parce qu'en fait, l'avantage dans les meetings, c'est qu'ils ont des ambianceurs. Ils ont des gens qui lancent les applaudissements, qui lancent l'ambiance, tout ça. Et au début, j'ai hésité, mais je me suis dit, non, c'est un coup à partir en live, tu vois. C'est un coup à raconter des blagues, mais avec le ton de Macron. C'est bizarre. C'est Tonto ! Tonto qui va à la plage ! Parce que c'est son projet ! C'est bizarre. Hein, on va pas faire ça ce soir, d'accord ? Que du vrai public, que du public authentique. En plus, on ne peut pas vraiment reprocher aux candidats de s'enflammer, parce qu'ils ont des militants qui sont totalement à fond, tu vois. Ça n'existe pas des militants modérés, tu vois. Tu n'as jamais des militants qui ont fait « Ah, mon président, ah, mon président, même si parfois on n'est pas tout à fait d'accord, parce que le revenu universel, on ne sait pas comment tu vas le financer, mais bon, quand même, ah, mon président, ça n'existe pas, ça n'existe pas. » Ah, c'est vrai que c'est des gros fans. On peut comparer les militants à des supporters de foot. Ouais, déjà, ils chantent ensemble. Et surtout, ils sont de très mauvaise foi. Ah, bah, si tu demandes aux militants de Fuyon, ils vont te dire. Ils vont te dire que sur les emplois fictifs, il n'y avait pas pénalty. Hein. Un autre point commun qu'ils ont avec les supporters, c'est qu'en général, ils déposent leur cerveau à l'entrée de l'événement. Il y a un moment, ils n'ont plus de sens critique du tout. Il y a un militant qui était filmé par les journalistes. Il a commencé à dire aux journalistes : vous êtes des nazis. Et le Penelope Gate, c'est comme l'Holocauste. Ben non, en fait. Il y a quelques trucs qui sont différents, quand même.
Et lui, dans sa tête, il se disait, moi, je suis en train de défendre Fillon, tu vois. Le gars, il est en confiance, il se dit, je suis en train de sauver mon candidat. T'imagines, tu te noies pas très loin de lui, il va dire, t'inquiète pas, on va te sauver. Et il te lance une encre, tu vois. C'est... pas de cerveau. Il y a un autre truc que font les candidats dans les meetings, c'est qu'ils prennent des bains de foule. Parce que les militants ont envie de les toucher. C'est leur délire, c'est comme ça. C'est un truc, ouais. Moi, c'est un truc que je comprends chez les jeunes filles qui vont voir Justin Bieber. Elles ont 14 ans, elles ont envie de toucher Justin Bieber. Je peux comprendre, tu vois. Mais là, ils ont 50 ans. Et ils sont en attroupement comme ça, mais ils se bousculent, mais cordialement. Tu vois, c'est des bousculades démocratiques. Ils sont là, oh, ouais. Oh, ça va, on va tous tousser Macron, ça va. Monsieur Macron, pour la mèche, la mèche. Ils sont vraiment bizarres. C'est vrai que les candidats, c'est devenu des rockstars. Ah, c'est devenu des rockstars. J'étais devant un bâtiment, il y avait un attroupement de journalistes avec des gens qui attendaient. J'ai demandé qui allait sortir, ils m'ont dit Marine Le Pen. Moi j'ai attendu, tu vois, j'avais envie de voir. Il y a deux filles qui m'ont rejoint, elles m'ont dit qui va sortir. J'aurais dit Britney Spears. Ouais, je suis un peu joueur. J'ai vu leur déception quand elles ont vu Marine Le Pen sortir. Tu sais, elle était là, la fille était, mais les ravages de la drogue, quoi. Non, c'est vrai que c'est des rockstars. Ils aiment bien mesurer leur popularité comme ça. Ils sont obligés de faire des bains de foule parce que les sondages sont plus assez, sont plus, enfin, leur indiquent pas assez s'ils sont populaires ou pas. On est arrivé à un niveau où les sondages, on se demande plus s'ils sont justes, on se demande à quel point ils sont faux, tu vois. Faut savoir que les marabouts de Gare du Nord, ils te disent, hein. Ah, les sondages, c'est des charlatans. Hein. Ah ouais, pour eux, c'est la concurrence. Hein. Pour eux, les sondages, c'est l'ubérisation de la voyance. Hein. C'est un truc de fou, ça. Hein. Mais pour moi, c'est normal que les sondages soient faux. C'est normal. Il y a des erreurs. C'est des humains qui les font. Il y a forcément des erreurs. Tu sais, quand il y a un sondeur qui t'appelle pour te demander ton avis, tu te sens jugé au bout du fil. Ils ont fait une étude pour savoir combien on avait de partenaires sexuels. Imagine le gars, il t'appelle. T'as eu combien de partenaires sexuels? Je sais pas, 200? Arrête tes mythos, mec. T'habites dans l'Aveyron? Il y a pas 200 meufs dans l'Aveyron? Forcément, tu te sens jugé, tu vois. En plus, ils mesurent toujours les intentions de vote, alors que moi, il y a plein d'autres choses que j'aimerais savoir. Par exemple, j'aimerais bien savoir en pourcentage combien de gens regardent Énergie 12 et vont voter ensuite. C'est quand même important. Est-ce qu'ils sont au courant qu'on ne vote pas avec un texto surtaxé? Hein, c'est pas pour Mélenchon, on voit Vénère au 6-22-22. Hein. Faut les prévenir. Hein. Mais ça pose une vraie question du droit de vote, parce qu'on a tous le même droit de vote. On a tous le même droit de vote, ça c'est beau. On a tous l'égalité là-dessus. Et l'égalité, c'est beau, mais ça fait peur. Il y a des gens, franchement, non. Il y a des gens, tu te demandes. Moi, c'est ces gens que j'ai appelés les foutus. Les foutus, c'est une catégorie de personnes que j'ai créées. En fait, c'est des gens qui, quoi qu'ils fassent, ils échouent. On les connaît. C'est ces gens qui échouent tellement bien, ça en devient artistique. Tu les vois, tu fais, oh, c'est beau quand même. Oh là là, oh là là. Même en voulant faire exprès, t'aurais pas réussi comme ça, tu vois. On connaît tous des foutus. Moi, j'ai déjà croisé un foutu. En fait, c'était dans un bar, je faisais une scène un peu pourrie, tu vois. Le gars, il organisait, il a dit, ici, il faut pas que tu fasses des blagues trop compliquées. Faut pas que tu fasses genre des références genre Général Pépin, tout ça. Attends. Je lui ai dit, tu veux dire le maréchal Pétain? Il a dit, non. Le Général Pépin, le mec avec les pastilles Vichy, tout ça. C'est-à-dire que le gars, lui, c'est un foutu. C'est-à-dire qu'il n'a pas un manque de connaissances. Il a un savoir parallèle. Dans sa tête, E égale MC Solar. Tu vois le truc? Ce mec, il a le même droit de vote que nous. Et le pire, c'est que s'il y a un revenu universel, il va être payé pareil. C'est-à-dire qu'il va encore mieux échouer. Je vais dire, maintenant que je suis rentier, je vais me consacrer à mon livre, la biographie du général Pépin, et comment il a gagné la guerre 39-18. Le pire, c'est que ces gens, maintenant, quand ils échouent, ils ont une excuse, ils peuvent dire que c'est à cause du système. Parce que c'est la mode, maintenant, de dire qu'on est anti-système. Voilà, il y a des candidats qui se disent anti-système. Tu peux pas être candidat à la présidentielle et anti-système. T'as pris 500 signatures du système, tu passes à la télé du système, non, non. Candidat anti-système, c'est un oxymore, voilà. Hein? Il y en a plein qui sont en galère là.
Bon, je vous explique quand même. Hein. Donc un oxymore, en fait, c'est quand tu prends deux mots contraires pour en faire une expression. Par exemple, si je dis un lepéniste à la mosquée, oxymore. Tu vois ? Un charcutier juif, oxymore. Un socialiste de droite, non, c'est Manuel Valls. C'est vrai qu'un candidat anti-système, c'est bizarre, mais c'est Trump qui a lancé cette mode, candidat anti-système. Il faut savoir que Trump, il a fait fortune dans l'immobilier, quand même. Et c'est pas l'immobilier anti-système. Hein. Non, non, il vendait pas des yourtes. Hein. Non, non, un vrai immobilier. Il se dit anti-système. Mais moi, j'adore Trump. Moi, j'adore Trump. Moi, je suis pro-Trump. Moi, je suis pro-Trump par voyeurisme. Parce que j'aime bien Trump, mais loin. J'aime bien regarder de loin. Ça me plaît, ça me distrait. Tu sais, c'est comme quand t'es au zoo. Tu vois une fosse au crocodile, t'as pas envie d'entrer. Mais t'as envie de jeter une biche. Non, t'as envie. Tu vois ? Eh bien, pour moi, Trump, c'est pareil. J'ai envie de jeter un musulman. Ouais. Si, si. Et après, je prends mes jumelles et je regarde comme ça. Ah, ça va vite. Hein. Voilà, c'est trop tard. Non, il a eu la patte, là. Ah, c'est fini, là. Ouais. Il s'en sortira pas. Bon, allez, vous prenez des photos ? Allez, dépêchez-vous, après, on va rater Bachar. On rigole bien. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'adore Trump parce qu'en plus il a réussi à se faire élire avec des idées totalement contradictoires. Bon, par exemple, lui il est pour le port d'armes. Il est pour le port d'armes comme beaucoup d'Américains. Alors ils te disent, hein, on est pour le port d'armes, mais c'est vraiment en cas d'urgence. Voilà, il faut savoir qu'un cas d'urgence pour eux, c'est il y a un noir sur ta pelouse. Si. Attends, le gars il a levé les bras. Voilà, j'ai cru qu'il allait me jeter un sort, j'ai tiré. Voilà. Ah, non, mais hé hey. Ça fait peur. Ça fait peur. Il est pour le port d'armes, il est pour les armes. Et parallèlement, il est contre l'avortement, mais il ne dit pas qu'il est contre l'avortement, il fait une petite astuce de langage, il dit qu'il est pour la vie. Bah non, tu peux pas être pour la vie et pour les armes, tu peux pas. Il n'y a rien de plus contre la vie qu'une arme. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, c'est moi qui suis bête, en fait. Il est pour l'avortement, en fait, mais plus tard. Une fois que ton enfant est né, il a 15 ans, il est sur son portable, il va pas à l'école, là, t'avortes. En plus, ça tombe bien, t'as une arme, voilà. Au pire, tu le mets sur ta pelouse. Tu dis que t'avais confondu. Il y a des gens en France aussi qui sont contre l'avortement, qui disent qu'ils sont pour la vie. T'es pas vraiment pour la vie, t'es pour la vie, mais de merde. Tu sais, un enfant non désiré, il va galérer, tu sais ça. Alors, une technique, hein, pour ceux qui nous regardent, hein, et les enfants qui ont peut-être envie de savoir s'ils sont désirés ou pas, très bonne technique, vous dites à votre mère, je pars en Syrie. Si elle vous répond, ah bah ça tombe bien, je voulais mettre ta chambre sur Airbnb, vous y êtes. Hein, traînez pas trop sur les pelouses. Qu'est-ce qu'on rigole. Alors, je sais pas si tout le monde va aller voter, et vraiment, je veux pas juger ceux qui vont pas aller voter. C'est possible de pas aller voter. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de pas aller voter, c'était pour les cantonales. Ça va. Non, pour les cantonales, tu te demandes pas pour qui tu votes, tu demandes pourquoi tu votes, en fait. T'as l'impression que c'est un échauffement électoral, ce truc, tu sais. Pour garder un peu la forme démocratique. Mais... même les partis, ils envoient que les remplaçants. Tu vois. Non, mais c'est vrai qu'il y a jamais personne qui s'est dit, franchement, ça se voit que le canton est passé à gauche. On s'est jamais dit ça. Non, mais bon. Vous n'allez peut-être pas aller voter. Il y a plein de raisons pour ne pas aller voter dimanche. Hein. Il y a plein de raisons. Il y a le fait de ne pas avoir décidé, le boycott, Netflix. Si, ça peut arriver. Moi, je pense que je vais aller voter parce que en fait, souvent, quand tu ne vas pas voter, il y a des gens qui te jugent, qui te disent « Ouais, mais il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote. » Et moi, ça me fait peur, tu vois. J'ai l'impression d'avoir un fantôme de Jacobin derrière moi, avec une espèce de baïonnette dans le cou, comme ça. « Je suis mort pour le droit de vote. » Mais d'accord, mais tu voterais pour qui ? C'est compliqué. Et t'as Netflix ? Le pire, c'est quand t'es une femme et que tu dis que tu vas pas voter, en général, on te fait encore plus culpabiliser. On te dit, oui, les femmes se sont battues pour le droit de vote. Comme les hommes, en fait. C'est juste que c'est arrivé plus de 150 ans plus tard. Le temps que nous, les hommes, on organise bien toute la société pour que, malgré le droit de vote, vous n'ayez pas de pouvoir. Elle rigole bien.
C'est vrai qu'on est tenté de ne pas aller voter avec la campagne qu'on a eue. On pourrait tous boycotter, mais pour que ça marche, il faudrait que personne n'aille voter. Mais vraiment personne, personne, tu vois. Et ça, on sait que ça ne va pas marcher. On le sait depuis le collège. Ah si. Tu sais, quand tu dis, venez, on ne fait pas le contrôle. Non, 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 non. Il y en a un qui se met à faire le contrôle, tout le monde fait le contrôle, voilà. Voilà, tout le monde se met à gratter. Il y en a qu'un qui va pas faire le contrôle, c'est le futur foutu. Ouais, lui sort de la classe, il dit « Eh, moi j'ai même pas écrit mon nom, les gars !» Par contre, vous avez mis du temps à écrire le vôtre, hein. On fait la même en physique. Foutu. Non, c'est vrai qu'on peut être tenté de pas aller voter, parce que c'est vrai que la campagne a été assez déplorable. Moi, franchement, maintenant, je compare la politique à de la télé-réalité. Ça me distrait, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, franchement, ils pourraient s'inspirer de la télé-réalité pour rendre les présidentielles un peu plus fun. On devrait mettre tous les candidats sur une île déserte. Et on regarde comment ils se débrouillent. Alors, il y aurait François Fillon qui est obsédé par le totem d'immunité. On aurait Mélenchon et Hamon qui prennent les mêmes décisions, mais ils sont pas d'accord. Il y en a un qui disait « Moi, je vais pêcher. Ah ouais, ben moi, je vais attraper du poisson. » D'accord. On a qu'à y aller ensemble ? Jamais ! Okay. On verrait Marine Le Pen bronzée. Eh, pas mal ! Obligée de se voiler pour se protéger du soleil. Bonne ambiance. Et à chaque fois qu'ils veulent faire un discours, on les mettrait debout sur un poteau en bambou en pleine mer. Voilà. Comme ça, les discours seraient plus courts. Mais il faut quand même avouer que c'est long. C'est hyper long. Franchement, suivre une campagne, franchement, c'est hyper long. Ne serait-ce qu'une émission politique qui dure 2 heures, là. 2 heures, tu vois. C'est regardé par 3 millions de personnes. 2 heures par 3 millions de personnes, ça fait 6 millions d'heures qu'on perd. La France perd 6 millions d'heures à écouter ce candidat. Payé au SMIC, c'est 45 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il nous fait perdre 45 millions d'euros à nous dire qu'il va sauver l'économie. Tu veux sauver l'économie ? Bah tais-toi, en fait. Faudrait pas mettre des compteurs pour le temps de parole, faudrait mettre des compteurs sur l'argent qu'ils nous font perdre. Et à la fin de l'émission, ils remboursent. Ah, je peux dire que là, ce serait fini la langue de bois. Hein. Et monsieur Fillon, appelle-moi Fifi, direct. Sur l'immigration, m'en fous, suivante. Et pour Pénélope, coupable, enchaîne. Mais c'est vrai que c'est long de suivre toute la politique. On nous demande de faire des choix. Moi, je ne me fais pas confiance en tant qu'électeur. Oh non, non, non. Moi, on me demande de choisir un président. J'ai déjà du mal à choisir un jean, tu vois. Puis souvent, je rentre chez moi, il est mal taillé, je ne le mets jamais, tu vois. Donc, il paraît qu'il y a des gens vraiment qui changent d'avis au dernier moment. Au tout dernier moment, dans le bureau de vote, ils peuvent changer d'avis, tu vois. C'est un truc que je comprends quand même. Parce qu'imaginons, bon, t'en as marre de l'immigration, ok. Mais t'as quand même pas envie de voter Le Pen. Tu dis, ouais, Le Pen, c'est un peu trop, je vais voter Fillon, ok. Très bien. Tu vas au bureau de vote, et là, il y a un arabe qui te passe devant. Et il tient pas la porte. Là, tu vas dire, mais toi, oh là là. Oh, mais je vais tellement changer d'avis. Mais la prochaine porte que tu vas pas tenir, c'est celle du charter, mon ami. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Il y a des gens qui savent vraiment pour qui ils vont voter. Il y a des gens qui sont convaincus. Je me demande comment ils font, mais souvent. Alors, il y a des gens qui vont aller voter FN. Moi, je veux pas les blâmer, vraiment pas. Mais il y a quand même un argument qui revient, qui me gêne un peu, c'est on vote FN parce qu'on n'a jamais essayé. Il y a plein de trucs qu'on n'a jamais essayé, en fait. Tu sais pourquoi ? Parce que ça fait peur, en fait. J'ai jamais mis mes doigts dans une prise. Mais je fais confiance à ceux qui me disent que c'est dangereux, en fait. Tu monterais dans un avion qui est piloté par quelqu'un qui n'a jamais essayé ? Un mec qui arriverait devant le cockpit ? Alors, les moteurs. Non, me dis rien. Non, tu fais pas ça. C'est pas parce que t'es chou dans ton couple que tu changes de sexualité.
D'ailleurs, quand tu changes de sexualité, enfin le choix sexuel et le choix de la politique, c'est un peu similaire. Si t'es pas totalement convaincu, ça risque d'être douloureux. Voilà, je préfère prévenir. Il y a un autre argument pour voter FN, il y a un autre argument, c'est il y a trop d'immigrés. D'accord, il y a trop d'immigrés. Et alors, il y a un truc qui me gêne, c'est que quand tu regardes les zones dans lesquelles les gens votent le plus FN, en France, bah, il n'y a pas trop d'immigrés, non ? Bon, imagine, tu habites à Barbès, d'accord ? Tu as ton appart sur le boulevard, il y a des dealers, il y a du bruit, tu votes FN, Psartec. Mais quand tu habites dans la Creuse, le dernier étranger qu'ils ont vu, c'est un viking. Et à l'époque, ça se passait pas pareil avec l'immigration, hein ? Tu disais pas à l'immigré viking, tu vas habiter dans le HLM. Non. Il te disait, non, non, moi je vais habiter chez toi avec ta femme. Non, je ne te sépare pas de ta femme, je te sépare tout court, je te sépare toi en deux. Il y a des gens qui ont peur d'une population qu'ils n'ont jamais vue, en fait. Tu pourrais leur dire, la France est menacée par des farfadets, ce serait pareil. Ils voteraient FN, pas de problème. Le FN aussi a comme exemple Jeanne d'Arc, qui a repoussé les Anglais de France. Alors, faut savoir que Jeanne d'Arc, c'est quelqu'un qui a entendu des voix et qui est parti en guerre. J'aimerais prévenir le FN. Quelqu'un qui entend des voix et qui part en guerre, de nos jours, on appelle ça un djihadiste. Il joue avec nos peurs. C'est vrai, les partis, les arguments jouent avec nos émotions. On croit qu'on vote avec de la logique, avec de la raison. Non, non, on vote avec nos émotions. La politique est vraiment partout, même dans les relations amoureuses, dans les relations familiales, les relations sexuelles. Franchement, moi, si je monte un parti, mon slogan, ce serait « J'ai pas d'idée, mais il y a de la meuf. » Et je suis sûr que j'aurai des adhérents. Ouais, il est trop chaud, lui. Ouais, vas-y, monte-le. Tu peux monter une dictature là-dessus. On n'a pas la liberté d'expression, mais alors... Pff. Non, c'est vrai qu'il joue avec nos émotions, et c'est vrai que la politique est dans nos relations. Et... Par exemple, bon, imaginons que t'es un couple qui vote traditionnellement FN, d'accord ? Et ta femme trouve un tract de Mélenchon dans ta poche. Tu vas lui dire, écoute chérie, c'est pas ce que tu crois. Ok, c'est arrivé une fois, d'accord ? C'était pour les cantonales, ça compte pas les cantonales, voilà. Et la politique est aussi dans la famille, donc dans la belle famille. C'est un truc qu'il faut savoir. Si vous avez des convictions politiques, quand vous arrivez dans la belle famille, oubliez. Non, changez. Voilà, vous n'arriverez pas à les convaincre et vous allez passer un sale dimanche. D'accord ? Donc si votre beau-père est de gauche, parlez-lui de la nostalgie de mai 68. S'il est de droite, parlez-lui de la nostalgie du gaullisme. S'il est d'extrême droite, parlez-lui de la nostalgie de... Non, reprenez du dessert, s'il est d'extrême droite. Voilà. Hein, je vais reprendre ce petit truc. Ah, c'est très bon ça, c'est quoi ? Des têtes de nègres ! C'est vrai que franchement, c'est compliqué la politique en famille. Ça devrait être écrit dans les 10 commandements. Les idées politiques de ta belle famille, tu honoreras. Voilà. Mais c'est pas écrit parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de parti en fait. Si, à Jésus, il a tenté un truc, mais ça n'a pas fonctionné. Non, il a été rattrapé par une affaire d'emploi fictif. Il aurait été aidé par son père, mais on ne l'a jamais vu. Il n'a pas réussi à prouver que sa mère, c'était sa mère. Enfin, c'est compliqué quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'allier politique et amour. Imaginons que tu tombes amoureux de quelqu'un qui vote Hamon et que tu dois le présenter à ton père qui vote Fillon. Ton père, il va te dire franchement, j'aurais préféré un noir. Alors, attention, ça existe des noirs de droite. Hein. Si, ça existe. Bah, la meilleure amie de Morano. Si, elle l'a dit. Elle a dit, ma meilleure amie est plus noire qu'une arabe. Plus noir qu'une arabe ? On est d'accord que c'est de la poésie, ce truc. Plus noir qu'une arabe. C'est de la virtuosité, ce truc, plus noir qu'une arabe. Elle a réussi à résumer Mein Kampf en une phrase ? Plus noir qu'une arabe ? C'est du nectar de racisme. C'est du racisme 24 carats, ce truc. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle a un dégradé de couleur? Vous pouvez nous décrire l'individu? Bien sûr, c'était un arabe noir-noir, mais moins noir qu'un noir arabe noir. C'était un arabe noir niveau 7, sur l'échelle de Nadine.
Alors je vais faire une petite parenthèse. Il y en a peut-être qui votent à droite et qui se disent « Ah, oh, c'est encore la droite qui prend, qui passe pour des racistes, etc. » Je vous rassure tout de suite, on peut être raciste et de gauche. Tout à fait. Il suffit de faire des amalgames bienveillants. Par exemple, si j'ai dit « Un noir court vite », ça va. Mais c'est pas vrai. Les noirs ne courent pas vite, ce sont les blancs qui sont lents. Attends, faut quand même avouer, quand on voit un blanc en finale du 100 mètres, on se dit tous « Mec, c'est déjà bien. » Voilà, non mais... Ils vont appeler ton nom, tu salues le stade, tu peux rentrer, t'as même pas besoin de prendre ta douche, tu vois. Et lui, il se dit « Non, non, je vais rester, peut-être je vais gagner. » Si les autres, ils tombent. Il faut quand même avouer qu'ils ont des bons coureurs en Afrique, mais c'est pas une question génétique ou quoi que ce soit. C'est parce que la course, c'est un sport qui demande très peu de matériel. Tu sais, quand t'es dans un village en Éthiopie et que tu dis à ton père « Je veux faire du sport », il te dit « Écoute, il y a deux solutions. Soit tu cours, allez, vas-y. » Ils ont pas un forum des associations comme on a nous, tu sais, où t'hésites entre pilates et rando-roller, je ne sais pas. Non, il y a un forum, mais il y a deux stands. Il y a un stand marathon et l'autre stand est à 42 km. Moi j'ai déjà fait preuve de racisme de gauche. Ouais, j'avoue. En fait, c'était un jour où il y avait un tournoi de basket organisé dans une ville, tu vois. Et c'était un tournoi participatif, tout le monde pouvait jouer, c'était assez sympa. Ils m'ont dit, toi tu fais les équipes, t'es capitaine, t'as des lunettes. C'est sportif, hein, c'est pas non plus. Donc, j'ai dû choisir les gens au faciès parce que je connaissais personne, tu vois. Je me suis dit basket, sport de rue, hip-hop. Bah, j'ai pris un noir. Et il était nul. Mais il était nul, nul. Il n'arrivait jamais à attraper la balle, tu vois. Il avait le même rapport au basket que les Africains ont à leurs ressources minières. Il voyait tout le monde qui se faisait plaisir autour, et lui, il touchait rien. Et ça m'énervait parce qu'on perdait à cause de mon racisme de gauche, tu vois. Et je lui ai dit, je suis allé le voir, j'ai dit, mec, t'es nul. Il m'a dit, c'est pas parce que je suis noir que je suis bon au basket. Je dis, ouais, mais préviens. Et à un moment, il y a un autre capitaine d'équipe qui est venu me voir. Il m'a dit, mon équipe, elle est nulle, tu veux bien qu'on échange des joueurs? Je lui ai dit, avec grand plaisir. Il m'a dit, tu me donnes lequel? Je lui ai dit, choisis. Il a pris le noir, ce con. On est tombés l'un contre l'autre, il a perdu. Il est venu me voir, il m'a dit, mais en fait, il est nul. J'ai dit, oui, mais pourquoi tu l'as pris? Il m'a dit, tu veux que je te dise pourquoi je l'ai pris? Parce que je suis engagé à gauche, et si je le prenais pas, j'avais peur qu'on me dise que je suis raciste. Voilà, le racisme de gauche. Bienvenue. Quand j'ai écrit ce spectacle, je me suis demandé à partir de quand on fait de la politique, à partir de quel âge on fait de la politique. Est-ce que quand on est enfant, on peut faire de la politique, tu vois? Une vraie question. Hein. J'étais en train de nourrir les canards avec mon neveu, tu vois. Et dans les canards, il y avait un canard faible. C'est un canard faible, ok? Il y a toujours un canard faible. Tu sais, un canard moitié de plume, tu vois? Tu sais, il n'arrive pas à attraper le pain, tu sais, il est énervant, là. Il aurait dû mourir, normalement. Non, il aurait dû mourir. Mais il y a des gens qui donnent du pain, donc voilà. Il a survécu. Et là, il y a mon neveu, il dit, moi, je veux qu'il ait du pain aussi. Et je dis, tu peux pas faire ça. Parce que tu vas en faire un canard assisté. Voilà, il va profiter de notre système de pain. Il va appeler ses amis qui sont encore en Mauritanie, qui vont remigrer. Et on ne peut pas accueillir toute la misère ornithologique du monde. Il m'a dit, si, je veux que tous les canards aient la même quantité de pain. Je lui ai dit, d'accord, en fait, tu es trotskiste. Il m'a dit, ça veut dire quoi, trotskiste? C'est pour ça que pour ses 5 ans, je lui ai offert Choupi chez les soviets. Voilà, c'est formidable, c'est la révolution bolchevique illustrée. À un moment, il y a Choupi qui envoie petit ours brun au goulag en Sibérie. Ah, on ne le reconnaît pas, hein. Il a maigri. C'est vrai qu'on peut se demander à partir de quand on fait de la politique, et surtout, est-ce qu'on est naturellement des êtres politiques? Parce que je pense que dans la nature, il y a des phénomènes politiques. Déjà, la nature, c'est quand même la loi du plus fort. Hein. C'est du capitalisme à outrance, hein. À part quelques exceptions. Il y en a qui vont me dire, oui, mais quand même, les bonobos... Ouais, les bonobos, c'est une exception. En fait, les bonobos, c'est un peu spécial. En fait, dès qu'ils ont un conflit, ils copulent. Voici la diplomatie selon DSK. Ouais.
Mais sinon, la plupart des groupes de mammifères sont assez dictateurs. Hein. Une meute de loups, par exemple, t'as un mâle dominant, il mange avant tout le monde, il a toutes les femelles. Voilà. Et si tu veux sa place, il faut que tu te battes contre lui en 1-1. Tu fais un coup d'État, mais à main nue. Ça, voilà. Ça, franchement, si on avait ce système, ce serait Macron. Il est prenable, tu vois. Non, tu sais, la petite tête comme ça, il a l'air maigrelé un peu. Mais franchement, Jean Lassalle, je pense qu'il est accrocheur. Ah, je pense qu'il est chaud. Il y a moyen qu'il te morde l'oreille. Mais c'est facile dans la nature, parce qu'en fait, les animaux, ils n'ont pas cette espèce de contradiction qui est toujours en nous. Ils ne remettent pas leur système en question. Et ça, c'est plutôt avantageux pour eux. Et nous, on est toujours plein de contradictions. On est plein de contradictions. J'ai vu Besancenot dans une émission de télé. Il portait des Nike. Besancenot. C'est-à-dire que pour lui, le capitalisme est un fléau pour l'humanité, mais pour les pieds, c'est pas mal. On est plein de contradictions. Il y a les véganes aussi. Les véganes créent des contradictions. Nous, t'as envie de manger de la viande, tu manges des steaks végétariens. C'est une contradiction. Je pense que bientôt, il va y avoir des chasseurs véganes. Ouais, des gens qui ont envie de tirer sur des trucs, mais pas des animaux. Tu sais, ils vont être là. Chut, on va chasser du maïs. J'imite le pop-corn. Ouais, on est plein de contradictions. Vous savez qu'ils ont retrouvé des cassettes d'Enrico Macias dans la cage de Ben Laden ? Le mec le plus antisémite du monde, probablement, il écoute Enrico Macias ? Si ça se trouve, Enrico Macias nous a sauvés, en fait. Tu sais, Ben Laden aurait voulu mettre une bombe sur la France, mais il savait pas où est Enrico. Donc il a peut-être cherché toute sa vie une bombe qui tue tout le monde, sauf Enrico Macias. Une bombe sélective qui se désactive quand tu dis « die, die, die ». C'est vrai, mais c'est pas facile de faire sans nos contradictions, d'être vraiment engagé. Il y en a qui y arrivent, mais franchement, ça dure pas longtemps. Nuit debout, ils ont réussi un peu. Nuit debout. Vous avez suivi un peu Nuit debout ? Sympa, le mouvement, sympa. Hein ? Moi, j'aimais bien ce mouvement. Je suis allé les voir, j'ai dit, les gars, il vous manque quand même un petit coup de peps pour que ça décolle. Il vous manque une immolation. Si, ça a bien marché en Tunisie. Je me suis dit, franchement, brûlez-en, hein, tu vois ? Ils ont dit, ouais, c'est pas bête. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, il n'y en a qu'à prendre le mec à dreadlock, ça fait allume-feu. Au final, ils se sont rabattus sur un junkie. Ils n'ont pas pu le brûler parce qu'ils avaient bu tout l'alcool. Ah ouais, c'est l'inconvénient quand tu fais la révolution avec des alcooliques. Ah bah les cocktails Molotov ne partent jamais. Là, ils sont là, ah bah les CRS, ah bah les CRS, oh. Et souvent on te dit, oui, mais il faut que tu choisisses ton camp, tu vois. Choisis ton camp. C'est pas facile de choisir son camp. Il y en a qui essaient de faire croire quand même qu'ils s'engagent. Ils taguent sur les murs. Ouais, pourquoi pas, tu vois, mais mets des bons messages quand même. Quand le gars il dit, ah bah les patrons, tu crois vraiment qu'on passe à côté? Mais oui. Mais il a raison lui. J'en mets plein la gueule à mon patron dès que j'aurai un travail. J'étais dans les toilettes d'un bar, le gars il avait écrit « Il faut détruire le capitalisme ». J'avais un stylo, j'ai mis « Ok, on commence quand ?» Il m'a dit « Jeudi en 8 ». Je dis « Ah, je suis pas dispo ». Il n'est pas grave, on se tient au jus. Il y en a ça qui disent aussi « Faites l'amour, pas la guerre ». Ah bah facile à dire. Hein. Parce que quand t'es moche et con, c'est quand même beaucoup plus difficile de faire l'amour que de faire la guerre. Puis en plus, pour faire l'amour, ça coûte cher. Il faut que tu t'invites au resto, au ciné, tout ça. Pour le même prix, t'as une Kalachnikov. Hein. Quand t'es moche et con. Quand t'es moche et con, tu peux faire la guerre parce qu'on t'a promis l'amour, d'ailleurs. Ouais, mets du temps, celle-là. Mets du temps. C'est vrai que c'est difficile de s'engager dans un couple, alors que de s'engager dans l'armée, c'est facile. Il n'y a jamais un colonel qui va te dire, je sais pas, faut que je vois. Faudrait que je te présente à mes parents, ça va un peu vite. C'est vrai qu'on te dit, choisis ton camp. Alors que selon les personnes, t'as pas le même camp. Si tu demandes une augmentation à ton patron, il te voit de gauche. D'accord ? Si tu dis à ton stagiaire qu'il va terminer tard, il te voit de droite. Voilà, c'est une loi, c'est comme ça. Tu peux même changer de positionnement selon tes humeurs. Imaginons que t'es chez toi, tranquille, en train par exemple de regarder un live sur Facebook, d'un superbe spectacle. Et il y a tes voisins qui font trop de bruit parce qu'ils font une fête. Ça te dérange ? T'as envie d'appeler la police ? Tu te sens de droite ?
Tes parents t'invitent à la soirée. Enfin, tes voisins t'invitent à la soirée. T'es au centre. Ils te mettent un joint dans les mains, t'es à gauche. Et après trois extas, t'es à politique. Ouais, après trois extas, tu as l'impression d'être gouverné par des pandas roux. Voilà, tu veux bien voter, mais si c'est nu. Vous savez, depuis tout à l'heure, je parle pas beaucoup des politiciens, je parle pas beaucoup du président. Parce qu'en écrivant ce spectacle, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais président ? C'est quand même compliqué. Hein. Ouais, c'est pas facile, le boulot de président, franchement. Souvent, en plus, tu l'as jamais fait, tu vois. Là, celui qui va arriver, il a aucune expérience. Hein. Comme si on prenait un stagiaire. Tu sais, y a pas un forum d'entraide, en plus. Tu sais, y a pas un présidentissimo. Où tu peux dire, kikou, les amis, j'ai un problème avec la courbe du chômage, help. Zéro réponse. Message posté en 93. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je reproche pas le fait d'être compétent ou incompétent. Ça, je pense que personne n'est vraiment compétent pour ce poste. Ce que je reproche, c'est de se croire compétent. Parce que j'ai lu une étude psychologique qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. En fait, ils sont arrivés à trois conclusions. C'est plus t'es incompétent, plus tu penses que t'es compétent. Plus t'es incompétent, plus tu penses que ce sont les autres qui sont incompétents. Et plus t'es incompétent, moins t'arrives à savoir à quel point t'es incompétent. Donc là, je suis en train de vous perdre. Là, ceux qui se connectent maintenant, ils se disent, tiens, il y a une conférence en live. Hein, ça doit être TEDx, c'est un truc. Je vous traduis. En gros, plus t'es con, plus tu te crois intelligent. Plus t'es con, plus tu penses que ce sont les autres qui sont cons. Plus t'es con, moins t'arrives à savoir à quel point t'es con. Normalement, là, vous pensez tous à un collègue de travail. Ouais, c'est le moment mentalisme du spectacle. Vous irez voir Dunning-Kruger, pas lundi, mais mardi, vous irez voir ça à votre poste de travail et vous allez identifier quelqu'un, c'est sûr. Et bien, franchement, moi je me dis, on ne peut pas se savoir compétent parce que tu ne sais pas de quoi le futur est fait, tu vois. Surtout quand tu es président. Vous savez, en Hongrie, il y avait le vice-président du parti antisémite qui a découvert qu'il était juif. C'est cadeau! Dire que le gars, il a dû l'annoncer à ses collègues. Il a dû dire, bon, les gars, avant qu'on termine la réunion, j'ai un petit truc à vous dire. C'est pas hyper facile. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Non? Enfin, pour toi, peut-être, je sais pas. En gros, ma grand-mère était à Auschwitz. Mais tu disais qu'Auschwitz, ça existait pas. J'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit Auschwitz, faut voir. C'est ça que j'ai dit, voilà. En tout cas, ça fait de moi un juif. Voilà. Bon, bah, par contre, faut que je vous laisse parce que j'ai rendez-vous pour me faire effacer les tatouages. Et le pire, c'est que ce gars, en plus, après, il est parti en Israël et aujourd'hui, il fait partie d'une communauté juive très extrême. Il était négationniste, il a juste gardé sioniste. Moi, j'aurais tellement aussi voulu voir le rabbin qui l'a circoncis. Le mec a dû kiffer. Attends, tu circoncis un négationniste, c'est mémorable, il devait être trop chaud. Oh, laisse-le-moi! Oh là là! Oh yes! 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 Yes, 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 yes! Attends, tu vas voir Simon, on va rigoler, tu vas voir. Non, monsieur, il n'y a plus d'anesthésiant. Non, désolé, on a tout fini, hein. Ouais, au pire, si ça pique, vous direz que c'était un détail de l'histoire. Mais franchement, je pense que quand t'arrives président, tu changes. Quand t'arrives à l'Elysée, c'est des dorures, c'est génial l'Elysée, tu vois. Alors c'est génial, mais sur Google, ils ont 3,6 sur 5. Ouais, il y a même des avis Google. Il y a un mec qui a mis pas mal, mais impossible de s'approcher à moins de 500 mètres, signé Mohamed. Sympa, mais je retournerai pas, François H. Moi, ça me vexe quand même qu'on puisse noter l'Elysée. Google a permis qu'on note l'Elysée, la plus haute instance de notre État. Ça veut bien dire que Google est encore au-dessus. Pour eux, nos présidentielles, c'est des régionales. Si on avait vraiment du pouvoir, on voterait pour les maîtres du monde, en fait. Les Bill Gates, Mark Zuckerberg, Michel Augustin. Mais c'est vrai que si t'arrives à l'Elysée, tu changes quand même. Surtout si t'es de gauche, tu vois. Va dire aux pauvres, je vous ai compris, alors que t'as un mur d'or derrière toi, tu vois.
Même Mélenchon, il va arriver, il va dire, ah, je vais leur montrer ce que c'est que la gauche. Oh, des truffes. J'adore ça. Franchement, mais moi je me demande ce que je fais si je deviens président. Tu vois. Il y a Napoléon, toi, okay. Qu'est-ce que tu ferais, toi si... Première mesure que tu prends si tu deviens président, qu'est-ce que tu fais? Tu nationalises tout? Tout. D'accord. Alors ta boulangerie, elle est nationalisée. Ça va être le bordel. En fait, toi, t'es un trotskiste. D'accord. Ne votez pas pour lui. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais présidente? Oh. Première mesure que tu prends. Tu sais pas? Tu sais pas? J'ai demandé, j'ai demandé à quelqu'un au premier rang, j'ai dit, quelle est la première mesure que tu prends? Le gars, il m'a dit, la taille du pays. Ouais, un foutu. François Hollande, tu ferais quoi, toi? Tu sais pas? T'as rien à faire. Ah, toi, t'es vraiment François Hollande, toi. C'est son fils, en fait. Il y a des idées, là, dans la salle, il y a des idées. T'améliores l'éducation? Comment? Tu peux lever la main? D'accord. T'améliores l'éducation? Tu travailles dans l'éducation ou... Oui? D'accord. Okay. T'es animateur, d'accord. Donc toi, tu penses à toi. Ouais. On paye mieux les animateurs. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu ferais pour améliorer l'éducation? T'embauches des profs, d'accord. Toi, tu veux placer tes potes, en fait. Président africain, quoi. Allez, venez, les gars, j'ai les postes. D'autres idées? Tu dépénalises quoi? Précise, hein? Le cannabis? D'accord. Ouais, hein? Putain... On voit les cancres, hein? Ceux de l'arrière du bus, ils sont là-haut. Eh, tenez-le quand même, hein? S'il est trop défoncé, il va tomber, hein? Un bad trip, hein? Ouh. D'autres idées? Égalité homme-femme? D'accord, je ne te vois pas. Ouais, ouais, ça revendique et tout, hein? On dirait vraiment un meeting, franchement. Égalité homme-femme. Qu'est-ce que tu fais pour l'égalité homme-femme? Les mêmes salaires, d'accord, ok. Toi et moi, même salaire? D'accord. C'est gratuit sur Facebook, hein. T'as qu'à être aussi drôle. Merci, au revoir. Quel orgueil. Tout là, il y a beaucoup trop d'orgueil. Non, faut pas valider ça. J'ose même pas vous demander s'il y a d'autres idées, tu vois. Allez, une dernière. Un gouvernement féminin. Ah ouais, alors toi c'est la dictature féminine, d'accord. Gouvernement féminin, et ouais, et vous validez. Vous savez quoi? On va partir, vous avez tellement galéré. Gouvernement féminin. On n'a jamais essayé. Tous les mecs qui votent FN, ils doivent kiffer. Bah nous, on propose une femme, on n'a jamais essayé. Parfait. Gouvernement féminin, d'accord. Mais écoute, moi je suis pour. Comme ça on pourrait se consacrer enfin à des loisirs, nous. Voilà. On joue au foot, on fait des trucs, on fait rien. Allez-y travailler. Ouais. Moi franchement, le problème c'est que si je deviens président, je pense que je prends la grosse tête tout de suite. Si je suis candidat un jour, ne votez jamais pour moi.
Parce que moi, déjà, tu me dis, t'es à la tête de 60 millions de personnes, ça me choque. Mais surtout, on me dit la bombe atomique. T'as le bouton de la bombe atomique. Mais je deviens fou. J'aurais trop voulu avoir le bouton là, juste à côté de moi, là, comme ça. Hein. Parce que j'ai envie de le toucher. Voilà, tout le temps. Tu sais, il est sur mon bureau, comme ça, voilà. Il y a des gens qui viennent dans mon bureau, je fais... Hey. Il y a un problème avec les chômeurs ? Il y a un truc qu'on n'a pas essayé, mec. Vous me dites, je peux. Je suis sûr qu'un soir, j'appuierai par inadvertance. Et un soir, je serai fatigué, envie d'annuler tous mes rendez-vous. Et je serai là, Viviane ? Viviane ? Vous avez pas entendu un bruit ? Non, ouais, très bien. Pas de picotement ou de saignement du nez. Bien, parfait, ok, très bien. Très bien. Non, pour rien, pour rien. Mais je pense pas que ça se déclenche comme ça, tu vois. Il doit y avoir tout un protocole quand t'appuies sur le bouton. Tu dois avoir une espèce de chef des états-majors, des militaires, qui arrive et qui dit... Monsieur le Président, vous avez lancé le protocole de la bombe atomique ? Non. Si vous avez appuyé, non, non, je suis pas un gamin, ça va. Hein. Vous avez dû être piraté, monsieur, par un geek, voilà. Vérifiez votre système de sécurité. Très bien, monsieur le président. Une dernière question, monsieur le chef des états-majors, des généraux, des armées, des militaires. Ça arrive souvent, ça ? À chaque début de mandat. Vous savez qu'un jour, Mitterrand a perdu les codes de la bombe atomique. Il les a mis dans son pantalon, il les a envoyés au pressing. C'est une histoire vraie, on est passé à deux doigts que le maître du monde, ce soit un blanchisseur. Un mec, il aurait été là, j'ai les codes, je vais nettoyer le monde, mais à sec, sinon ça l'abîme. Franchement, moi, je me ferais pas du tout confiance en tant que président. On te juge sur un programme qu'il faut que tu respectes, en plus. Qui, dans la salle, a déjà fait un programme qu'il a respecté, franchement ? Tu sais, quand il dit « on va partir en vacances », bah moi, je vais me faire un programme pour les vacances. Déjà, personne ne part avec toi. Hein. Puis il dit « oui, je vais courir le matin, je vais lire du Sartre l'après-midi. » Arrête. Au bout de deux jours, tu dors le matin, tu siestes l'après-midi. À la fin du séjour, tu as lu 5 pages de Sartre. Ou plutôt, tu as lu 5 fois la première page de la préface de Sartre. T'as couru 15 minutes, t'as eu des courbatures pendant 2 semaines. Tu t'es dit, il faut vraiment que je me remette au sport, je vais me faire un programme. À la rentrée. Dès que tu dis, j'ai un programme, t'es même pas crédible pour moi. On pourrait voter pour quelqu'un qui me dit, moi j'ai pas de programme. Mais vous savez quoi, insultez-moi. Voilà, on fait ce que vous voulez. Mais franchement, ça m'irait. Parce que je pense qu'on va passer 5 ans à insulter notre président. Bah si. T'sais, sur les réseaux sociaux, dans les bistrots, dans les taxis. Les taxis. Est-ce qu'on peut parler du positionnement politique des taxis ? J'étais dans un taxi, le gars dit « moi, je vais voter Poutine ». J'ai dit « mais Poutine, il n'est pas candidat ». Ah, parce qu'en plus, il faut voter pour un candidat ? Mais quel pays de merde ! Le taxi, c'est l'archétype du français, ils sont d'accord avec rien du tout. Tu veux mettre mal à l'aise un français, il faut être d'accord avec lui. Je veux la 6ème République, ok, d'accord. C'est quoi ton problème à toi, là ? Cherche la merde ou quoi, toi ? Et là-dedans, franchement, il y a des gens qui disent candidat du peuple. Candidat du peuple ? Ils ont 20% d'intention de vote, ils disent candidat du peuple. 20% du peuple, c'est pas le peuple. Pour moi, en plus, un peuple, c'est des gens palavés avec des fourches qui demandent du pain, tu vois. On veut du pain. T'imagines, nous, on demande du pain ? Si on demande du pain aujourd'hui, on veut du pain. Ouais, mais du bio. Ouais, mais du gluten. Sans gluten aussi, ouais. C'est compliqué, tu n'es pas candidat du peuple. Si le peuple te veut vraiment, il n'y a même pas besoin d'élection normalement, tu vois. Mais ils disent candidat du peuple. Et souvent, en plus, ils sont hyper négatifs sur la France, ils crachent sur la France, tu vois. Ils disent la France, ça ne va pas. Souvent, ils se basent aussi sur des journaux ou des livres qui sont très négatifs. Par exemple, il y a Le Point qui a fait une qui s'appelle « Comment on ressuscite un pays ?» Pour eux, on est mort. Éric Zemmour qui a écrit « Le suicide français ». Tranquille. Dupont-Aignan qui a dit « La France, lève-toi et marche ». Lève-toi et marche ? C'est Jésus qui a dit ça ? Qu'est-ce qui se passe dans son ego à lui ? Pour lui, on est des paraplégiques.
Et lui, c'est le Messie. Il va arriver à faire, c'est bon. Lève-toi et marche. Tu crois vraiment que le Messie, s'il revient sur Terre, il va faire 4,2% aux dernières élections? Le Messie, il revient sur Terre, il transforme l'eau en vin. En France, il fait 90% minimum. Même les musulmans, ils vont voter pour lui. On va dire, hey mec, y a moyen, tu fais ça avec du sélecto ou pas? C'est sûr. Le Messie, c'est des gens qui répètent que la France est malade, la France est malade. Je pense pas que la France soit malade, je pense que la France est hypochondriaque. Voilà, la France aime bien ses maladies. Tu sais, les hypochondriaques, c'est ces gens, quand tu leur dis ça va, ils te disent pas juste oui. Ils te disent, on fait aller. M'énerve. Je pense qu'on se complaît dans nos maladies. Je pense que si on arrive à régler tous les problèmes de la France, on va se sentir bizarre. On va être là, on va dire, ça va toi? Bah ouais, malheureusement, oui. Il y a quelque chose qui me manque. Même pas un aftre, rien. Mais c'est vrai qu'en France, on a tendance à se dévaloriser tout le temps. On se dévalorise. Il y a des journalistes qui te disent, oui, au Danemark, ils sont heureux. Danemark, c'est les plus heureux. Bah va vivre au Danemark? Non. Non, ils mangent du poisson sec, c'est chaud quand même. On se dévalorise beaucoup. On se compare aux pays du Nord, parce qu'apparemment, les pays du Nord, c'est mieux. Une espèce de hiérarchie comme ça, il paraît que les pays du Nord c'est mieux, les pays du Sud c'est moins bien, tu vois. Sauf que les scientifiques disent qu'un jour il va y avoir une inversion des pôles. C'est-à-dire qu'au niveau du magnétisme, le Nord va passer au Sud et vice-versa. On va devoir mépriser les Norvégiens. On va dire, les Norvégiens, ils font rien pour s'intégrer, pas question que l'État finance la construction de leur sauna, tiens. Et c'est vrai que dans les pays du Nord, c'est quand même bien organisé. Ça se voit aux piétons rouges. Ils respectent tous le piéton rouge. Et ils s'arrêtent tous. En France, on n'est pas comme ça. En France, on voit le piéton rouge, on regarde à gauche, on regarde à droite. On dit, ah, c'est bon, il n'y a personne. Voilà. Et nos politiques, ils sont français, ils sont pareils. Hein. Ils sont pareils. Je pense que la femme de Fillon, quand elle lui a dit, t'es sûr pour les emplois fictifs, elle a dit, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Ah, c'est bon, il n'y a personne. Mais c'est vrai que tu peux regarder le respect des règles d'un pays par rapport à la relation qu'on a avec le piéton rouge. Donc dans les pays du Nord, c'est respecté, c'est carré. En France, c'est plus un conseil, le piéton rouge. Voilà, faudrait ne pas traverser, normalement. Voilà. Mais si t'es vraiment pressé... En Afrique, c'est encore différent. En Afrique, il y a un militaire à chaque feu. Voilà, donc si tu veux traverser au piéton rouge, c'est possible, mais c'est 1000 francs CFA. Tu dis, bon, moi, je vais attendre le piéton vert, bah, c'est 2000. Au moins, c'est bien organisé. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dévaloriser. Depuis l'enfance, hein, tu sais, quand tu as 12 en dictée, tu vas voir tes parents, tu dis, les parents, j'ai eu 12 en dictée. Ils vont te dire, ouais, mais elle a eu combien, la meilleure de la classe? Et t'as beau expliquer, elle a eu 19, mais elle est bizarre. Elle souligne ses titres en mauve, maman. Tout le monde veut ses notes, mais personne veut sa vie, elle, tu vois. Et bien, les Scandinavies, c'est pareil. On veut bien leur économie, mais les Chris Prolls, c'est pas possible. Moi, je veux mon chômage et mes croissants, ok? C'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est mieux ailleurs. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. T'as déjà vu un Français ailleurs? Il est insupportable. Sur booking.com, les réservations d'hôtels, là. Maintenant, il y a deux notes. Il y a la note internationale et il y a la note française, si tu veux. Fallait pas faire ça, hein. La note est toujours deux points inférieure chez les Français. Même dans les endroits les plus idylliques, ils vont te dire « Non, il y avait trop de pétales sur le lit. » Un Français, il arrive au paradis, il va te dire « Je veux voir le responsable. » Alors qu'il y a des choses positives quand même en France, il y a des choses positives. Il paraît qu'on n'est plus les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Il y a plein de pays qui nous ont dépassés. En fait, je pense qu'on était tellement déprimés, on a déprimé les autres. Du coup, ça va mieux. Il y a la productivité française aussi. Il paraît qu'on a une très bonne productivité. Ouais, c'est vrai. En général, quand tu dis ça à un Français, tu dis t'es sûr? Parce que c'est pas grâce à moi. Hein. Mais c'est vrai qu'on a une bonne productivité. C'est juste qu'on travaille moins d'heures en fait. On travaille moins d'heures. En fait, on est productif, mais pour se barrer plus tôt. On est productif par fainéantise. Tu sais, j'ai un ami qui m'a emmené dans son entreprise, il m'a montré ce qu'il faisait, il m'a dit « Moi, je dois gérer une base de données. » Et en fait, j'ai créé un logiciel pour automatiser tout, comme ça je me barre à 14h. J'ai dit « D'accord, mais pourquoi t'as deux blousons ?»
Il m'a dit comme ça, j'en laisse un sur le dossier de la chaise et les gens croient que je suis quelque part dans l'entreprise. Je lui ai dit, mec, t'es un génie. Il m'a dit, chut, sinon je vais avoir des responsabilités. Et en fait, je crois que c'est ça. En France, ça se trouve, c'est ça. On est des génies, mais on veut pas se faire chier. Laissez-nous tranquilles, en fait. Arrêtez avec votre croissance. On pourrait, mais on veut pas, ok? Qu'est-ce que tu vas faire? On ne veut pas. Je pense que tous les Français, tous, on rêve tous d'un grand barbecue. Voilà, je pense qu'en chaque Français, il y a un beauf qui sommeille, qui ne demande qu'à se réveiller. Bon, chez certains, il est très éveillé. Mais sinon, on rêve tous d'un grand barbecue. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais le barbecue, c'est cancérigène. Ta gueule. Ta gueule. En France, on a les meilleurs cancérologues du monde. Laisse-nous attraper le cancer du barbecue, d'accord? Tu sais quoi, on va organiser un grand barbecue, on va tous se mettre en chaussettes claquettes. Il y en a qui vont me dire c'est moche. Hé, chaussettes claquettes, t'es bien. La dernière fois que t'étais en chaussettes claquettes, c'était un bon moment, d'accord? Il y en a qui vont me dire oui, mais les beaufs, c'est pas ma classe sociale. Ah bon, toi t'es riche, au bout de 5 verres de rosé, t'es un gros beauf, d'accord? Tu joues à la pétanque comme tout le monde, avec des boules en argent si tu veux, mais tu joues à la pétanque, ok? À la rigueur, tu te fais un concert privé de Patrick Sébastien si tu veux. Voilà, tu lui lances de l'argent comme ça. Voilà. Il y en a aussi qui vont me dire ouais, mais les Français, c'est des beaufs. Moi, je me sens pas français parce qu'ils ont pas pris Benzema en équipe de France. Alors que François Fillon, oh, mais alors toi, tu compares le foot et la politique, mais ta gueule! C'est-à-dire que pour toi, un mec qui met des buts et un mec qui doit appuyer sur le bouton d'une bombe atomique, c'est pareil. Toi, t'es le roi des beaufs. Toi, t'organises le barbecue. Voilà. Je te nomme ministre des merguez. Voilà. Tu as le poste de ministre des merguez à vie. Voilà. Et tu sais quoi? On va élire un président beauf. OK? On va pas l'élire avec des élections présidentielles. On va l'élire au beer pong. Ouais, le beer pong, c'est le fait de jeter des balles de ping-pong dans des bières et quand tu rates, tu bois. Alors, même si tu bois pas, il n'y a pas de problème, il y aura toujours un Français pour te dire « Toi, tu joues, moi, je bois. » Mais t'es déjà à 12 bières. Ouais, mais c'est l'autre, il joue mal. Voilà. Et on va élire un président beauf, et ce sera le meilleur président du monde. Il va tuner le Charles de Gaulle. Il va tuner le porte-avions. Il va mettre des flammes sur le côté. Il va mettre de la moquette au gouvernail. Il va rajouter un rétro juste pour mettre un sapin vanille. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va arriver au sommet du G20, chaussettes claquettes. Survêt le coq sportif, chaîne en or, qu'est-ce que tu vas faire? Il va arriver très solennellement, il va faire un discours, il va faire... Bip bip! Il va mettre l'ambiance dans le monde! Voilà, il y en a aussi qui vont me dire, non, on peut pas prendre un président beauf, il nous faut quelqu'un qui ait de la prestance, qui sauve la France. Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui va sauver la France? On peut pas sauver la France, ça n'existe pas des super-héros en France. Ou alors il faudrait que ce soit quelqu'un qui s'est fait mordre par un coq et qui s'est transformé mi-homme, mi-coq. Et c'est quoi son pouvoir? Il réveille les gens le matin? Et les méchants sont trop fatigués, ils ont les yeux qui piquent, ils n'arrivent pas à braquer, c'est ça? Et on lui dit, merci Coqman, tu as sauvé la France. Il lui fait, blap, comme ça, c'est ça que tu crois? Mais non! La France, tu ne veux pas la sauver! La France, à la base, c'est des Gaulois, d'accord? Vercingétorix, quand il a perdu, il est allé voir César, il a dit, mec, bon courage. Je pars en Armorique faire des barbecues. Voilà, on fait la paix. Tiens, pour la paix, je t'offre ce bouclier, le coq sportif. Voilà, il s'est barré. Et là-dessus, tu rajoutes une immigration maghrébine, subsaharienne, portugaise, quelques juifs. Tu prends les peuples les moins gouvernables du monde. T'en fais une boule comme ça, ça te donne la France. On a construit un truc, on sait même pas comment ça tient. Même les pays à côté sont là. T'approches pas trop quand même. Non, ça peut sauter, on sait jamais. Et le pire là-dedans, c'est quand tu fais un discours en France, c'est pas comme aux États-Unis, tu sais, où quand tu fais un discours, les gens disent « Yeah !» Comme ça, tu fais « On va changer de pull !»« Yeah !» En France, c'est pas comme ça. Hein. En France, tu dis « On va augmenter les salaires !»« Non !»« On va baisser les salaires !»« Non !»« On les garde comme ça ?»« Non !»« Mais on fait quoi alors ?»« Oui, oui !»« Mais oui quoi ?»« Non !» Monsieur Hollande, on ne peut pas mélanger les carottes et les chou-fleurs. Be proud of you. Need to know when to know. Démocratie, carottes, chou-fleurs. Do.
Merci beaucoup, merci. Merci. On avait dit que c'était pas un meeting. Non, merci beaucoup, merci vraiment, très chaleureusement, vraiment. Ça, je suis hyper touché que vous ayez été aussi nombreux quand vous leviez en plus. Je sais que ça coûte de se lever. Vraiment, merci beaucoup. Sans vous, ce serait pas possible. Avant de partir, parce que c'était la dernière ce soir, je voulais vous dire, quoi que vous fassiez dimanche prochain, faites-le avec votre cœur. Hein, faites-le par conviction, même si vous n'allez pas voter, même si vous votez FN, je m'en fous. Faites-le parce que vous êtes heureux de le faire, ok ? Juste pour terminer, je voulais remercier toute l'équipe de Florent Salomon qui m'a permis d'organiser ça. Vous pouvez les applaudir, vraiment. C'était Tierno Tune à la mise en scène. Ouais. Norman à la régie. Normalement, j'ai vraiment beaucoup de gens à remercier, mais en fait, comme les remerciements, c'est long et souvent c'est chiant, on a décidé de le faire avec une vidéo. C'est pour vous remercier aussi. Il faut savoir que cette vidéo, enfin tout le spectacle, en fait, on l'a fait, c'est une création originale, toutes les musiques sont originales, etc. Et pour accompagner la musique de cette vidéo, enfin cette vidéo, la musique est d'un groupe qu'on a rencontré dans le métro. En fait, on cherchait quelle musique faire, on est tombé sur eux, on a dit, bah voilà, c'est eux. Et donc ils nous ont donné leur musique pour accompagner les vidéos. Il s'appelle Red Butterfly. J'espère que vous avez passé un bon moment, messieurs, dames. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents ce soir. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est parti, on met en vente et on y va. Pour le gymnase ? Ouais, le 16 au gymnase, 21h30, c'est parfait. Le grand gymnase ? T'es sûr ? Je suis sûr, c'est toi, t'es sûr, t'as le spectacle ? Non, non, oui, oui, non, mais oui, attends. Ça va le faire. Non, c'est 800 places, tout de suite, je me dis, c'est nickel. C'est toi, tu m'as dit. C'est nickel, on va. Non, je vais écrire quand même, parce que je. Now your future's fading above, yeah, but I don't think I'll try. T'as rigolé toi quand j'ai vidé. T'as rigolé. Et le mec il rigole. En plus, franchement. C'est quoi ce caméraman? Eh les gars, on est une équipe. Making up, on met les yeux dans le bleu, tu vois, ça. Rigolez pas les mecs. Les yeux dans le bide. C'est vraiment. C'est vrai. Eh franchement c'est un gros sac, ça. Viens, on fait ça. On suit que des humoristes. Après ils se font masser. And all the figures fade and dissolve, yeah. But I don't think I'll try. Ouais, attention, on fait tourner la roue, à gagner un séjour à Aleppo, offert par le Qatar, le pétrole qui finance les projets. À gagner aussi, je le rappelle, deux rafales offertes par la France, hein, qui ne les a pas vendues. Allez, ça tourne, les rafales, avec moi, les rafales. Les rafales. T'as filmé là quand j'étais tout seul là ? Ah tiens, il m'a dit il faut que je filme tout. Mais préviens quand tu filmes. Non mais je suis d'accord, on fait un making of tout ça, mais faut prévenir parce que. C'est ce que j'ai fait avant tes faces. Quoi ? Hein ? T'as eu mon message ? De quoi ? Un message, c'est un message. Ah ouais, c'est bon, ouais. C'est bien, il faut qu'il y ait des messages. Mais... S'il n'y a pas de message, c'est, on n'est pas des clowns. Hein. Là, il va y avoir plein de messages en tout cas. Je pense, prépare un truc, je pense que tu vas bien aimer. Voilà, s'il y a des messages, il faut y aller. Hein. C'est pas, ouais. Mais je te parlais surtout de mon message téléphonique à propos du 16 avril. C'est la première partie. Là. Ouais, première partie. Ouais, faut en faire un max. Hein. Faut pas lâcher. Hein, ouais. Parce que c'est là, les gens ils te rendent compte et tout. Et puis c'est mortel. Hein. Quand t'as fait mes premières, les gens ils ont kiffé. Faut continuer. Hein. Bon, moi j'y vais, moi. Hein? Allez, je te laisse. Hey, le mec là qui fait la première partie, là, je peux pas lui dire d'arrêter de me casser les couilles. And I think I'll try. This vision, let's see your broken face in the way. This vision, let's see your broken face in the way. This vision.
broken face in the way. This vision, this vision. Let's see you grow. On rigole bien, hein.